Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. D'après les résultats de notre sondage le plus récent, vous voulez en savoir plus sur les chats persans, c'est pas vrai? Cette vidéo est notre cadeau pour vous remercier d'être désormais 100 000 à nous suivre. Alors c'est parti! Les chats persans sont probablement l'une des races de chats les plus populaires au monde. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des différents types de chats persans et de leurs caractéristiques. Bien qu'il existe des variétés plus récentes de chats persans, le persan est l'une des races de chats les plus vieilles du monde. L'histoire de cette race est en partie inconnue, mais on pense qu'elle est originaire de la Perse antique, ou de l'Iran actuel. Ainsi, ce n'est qu'au XVIIe siècle que son pédigré est enregistré pour la première fois en tant que chat persan. Ils sont alors importés en Italie avant de se répandre dans toute l'Europe. Les chats persans se distinguent par leurs poils longs et ils sont aussi très connus pour leur attention particulière au toilettage personnel. Ainsi, ceux qui adoptent un chat persan doivent savoir que l'idéal est de les brosser régulièrement pour éviter la formation de nœuds ainsi que pour éliminer les poils morts. Leur apparence aristocratique colle à leur tempérament, puisqu'il s'agit de chats silencieux et doux qui s'adaptent sans problème à la vie en appartement. Bien entendu, ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous préoccuper de l'enrichissement de son environnement ainsi que de sa socialisation. Les chats persans créent souvent des liens très forts avec leur tuteur et ont tendance à choisir une personne comme préférée. Bien que l'association Cat Fancier enregistre différents types de chats persans en ce qui concerne la couleur du manteau, il existe deux variétés de chats persans en termes de structure faciale. Le premier dont nous allons parler est le chat persan traditionnel, considéré comme l'une des plus anciennes races de chats au monde. Ils ressemblent aux chats angora turcs à certains égards, mais ils ont une tête moins arrondie, des oreilles plus courtes et un tempérament différent. Les similitudes se renforcent en ce qui concerne leur fourrure. Ce chat crée un sous-poil en hiver qu'il perd avec l'arrivée de la chaleur. Ce sont des chats de taille moyenne, mais ils ont l'air plus gros en hiver grâce à leur couche de fourrure supplémentaire qui leur confère un aspect plus moelleux. Le persan traditionnel a une truffe plus longue, mais ses yeux sont grands et ronds. Ils ont aussi une queue très large, proportionnelle au reste de leur corps. Leur espérance de vie n'est pas particulièrement longue, car ils sont susceptibles de souffrir de diverses maladies congénitales, telles que la maladie polykystique des reins ou les problèmes cardiaques. Le chat Pegface persan, que beaucoup appellent le chat au visage aplati, est une mutation spontanée qui est survenue au milieu du XXe siècle et qui est devenue en 100 ans le standard de la race dans les concours de beauté. Ce qui explique pourquoi les éleveurs de la race ont accentué cette caractéristique par sélection artificielle. Bien que leur apparence unique soit très recherchée, elle cause aussi de sérieux problèmes à ces chats, car leur nez détaché et leurs caractéristiques brachycéphales les rendent sujets à des difficultés respiratoires et des problèmes oculaires. Pour cette raison, il est fréquent qu'ils souffrent de pathologies des paupières ou de larmoiements exécratifs. Ils ont également des problèmes d'activité physique excessive. Autre race de chats persans. Bien que considérée comme une race distincte, l'exotique Short Hair est une race féline dérivée du persan. Ils ont le même corps et le même comportement que le Pegface, mais ils ont un pelage plus court et plus facile à entretenir. Le chat persan chinchilla est ainsi appelé en raison de la similitude de son pelage avec la peau du chinchilla. Sa couche interne est généralement blanche, tandis que la couche externe devient noire ou bleue. Son visage est plutôt traditionnel, mais pas toujours reconnu par les associations félines. Couleurs des chats persans. Lorsqu'on parle des couleurs des chats persans, sachez qu'il existe 7 groupes qui permettent de les classer. Toutefois, la classification est également influencée par la structure de leur visage. En outre, il convient de préciser que parfois, les chats peuvent être tricolores alors que les mâles seront toujours bicolores. Les couleurs principales du chat persan sont blanc, bleu, noir, feu, crème, chocolat et lilas. Chacune d'entre elles peut être combinée les unes aux autres, formant des couleurs et des motifs vraiment uniques. Et vous, vous avez un persan à la maison ? Dites-nous de quel type il s'agit et comment il s'appelle. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos suggestions pour des futures vidéos et de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne si cette vidéo vous a plu. À bientôt sur Planète Animal.